parler en langue, qui côté ça sorti? Qui ça la Bible dit de sujet ça? Qui moun qui ka parler en langue? Qui importance parler en langue gagne dans la vie chrétienne? C'est ensemble de questions ça que nous pral répondre dans vidéo ça que nous pote pour vous jodi. Non pam c'est évangéliste Evenel Furet. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous sous vidéo ça. Merci d'être que vous prend temps pour tendre nous. Merci aussi d'être que vous aider nous partager vidéo ça pour plus moun capable tendre la vérité. Merci aussi à vous même qui déjà abonné avec nous. C'est un plaisir. Merci à vous même qui a quitté un like pour voir un feedback by YouTube et Facebook pour faire connaître que vidéo est édifiante. Merci beaucoup. En nous entrer dans maman sujet. Est-ce que vous habitué à parler en langue déjà? Là vous parlez en langue, qui ça a senti qui fait dans corps? Est-ce que c'est parce que ouais mon a parlé en langue qu'il faut parler? Ou bien est-ce que gon manifestation qui fait dans vous même? Dans quelques mots, expliquez-nous. Dans un commentaire, là vous parlez en langue, comment ça fait? Comment ça manifeste dans corps? On a regardé qui ça la Bible dit dans sujet ça. Parler en langue, pas oublier que c'est un don. Yon don spirituel. Takou tout l'autre don yo. Don de guérison, don de prophétie et d'autres dons. Parler en langue signifie parler avec des mots ou dans une langue que les autres ne comprennent pas. Pour s'édifier soi-même et les autres. Jésus prédit le parler en langue. Dans Marc chapitre 16, verset 17, lorsque le dit disciple, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. La première fois que quelqu'un parla en langue fut au jour de la Pentecôte. T'as même bien saisi ça. Si nous t'avons retourné dans l'Ancien Testament, nous pas ouais question parler en langue là. Mais nous t'es ouais t'es gain un phénomène qui t'a développé la caille habitat de la terre après le déluge de Noé. Les hommes ou bien moun sa yo te vin repeupler la terre, te choisi faire un tour qui est relé la tour de Babel. Objectif tour c'est pour te capable faire arriver dans un niveau, dans une hauteur côté que même si bon Dieu t'a voulu détruire la terre avec de l'eau pour yo capable joindre un côté pour yo abriter yo. Et Dieu li wè idée ça que l'homme gagne, li pas bon, c'est une idée qui négative, eh bien bon Dieu vient confondre langue des hommes. Maintenant, chaque prend parler en d'autres langues. Et qui pas d'autres langues que nous avons parlé aujourd'hui là. Chaque prend parler en d'autres langues qu'on y a là, vient une confusion des langues. C'est là que nous avons parlé de confusion des langues. Et c'est là aussi que langue anglais, français, espagnol, latin, portugais prennent naissance. La confusion des langues. Mais je dis, ça nous a parlé là, c'est manifestation qu'on a fait dans l'église. Lorsque Mounio a parlé, donc des fois, on ne connaît pas exactement qui ça qui a dit, parce que parfois c'est poussé par l'esprit, Mounio parle. Pour qui ça me dit parfois? Parce que ce n'est pas tout parler en langue qui est spirituel. Donc, gagner selon la révélation que bon Dieu ben nous, qui est démoniaque aussi. La première fois que quelqu'un parla en langue fut au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit fut donné aux apôtres, comme on peut le lire dans Actes chapitre 2, verset 1 à 12, lorsque apôtres yo te réunis pour yo te retenir consolateur, ou bien si là que Jésus-Christ te promet yo qui c'est Saint-Esprit. Pendant que y a prié comme ça, yo fait comprendre que côté Othéa prend trembler. Gon manifestation qui fait et c'est ouais yo ouais on bonne langue de feu descend sous tête yo et puis même côté a yo tout prend parler en d'autres langues yo rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire phénomène ça son phénomène de la plénitude du Saint-Esprit. D'ailleurs moun a parlé en d'autres langues c'est lorsque Saint-Esprit a descend li rempli li changer langage li et li a parlé li a édifié tête li. Nous va regarder qui côté. Alors, nous apprenons aujourd'hui là, qu'on y a là, nous apprenons qui côté parler en langue dans ce type, mais nous prenons le pied devant tout, pour qui ça y a un monde de parler en langue, qui est un monde de parler en langue, est-ce que c'est toutefois un monde supposé parler en langue, n'importe qui l'est décidé parler en langue là, lui parler. Eh bien, lorsque disciple recevoir
puissance là, yo commencé prend parler en d'autres langues. Et moun ki te nan alantou yo capable tande nan langue ba yo parce que te gen pile l'autre moun l'autre étranger qui te vinn nan zone nan, yo tande monsieur yo kap parler nan même langue nan. Yo pa ka comprendre bagay sa. Parce que yo connaît que tout monsieur yo c'est juif yo, comment yo fait parler dans langue que yo capable comprendre. Et on va joindre passage ça toujours dans Actes chapitre 2, ben nous chercher verset à pour Actes chapitre 2 côté que yo va poser question ça pour qui ça nous ca comprendre dans langue ça que monsieur parle là nous capable comprendre les tout. OK, c'est Actes chapitre 2 verset 6 à continuer. Lorsque Juif yo te vin faire un séjour à Jérusalem, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disent les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun, dans notre langue maternelle. Et comment les entendons-nous? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Lorsque monsieur prend manifester, moun yo pas comprendre parce que son bagage qui était passé pour la première fois sur la terre. D'ailleurs, on saisit ça. Avant, pas de parler en langue. Mais c'est pendant cet esprit a vint descendre, Jean que Jésus te promet là, monsieur yo prend parler en langue. Plus tard, Paul Pral écrit au sujet de parler en langue dans 1 Corinthiens chapitre 12 et chapitre 14. Cependant, Paul lui précisait ici que moun ka parler en langue, yo pas parler dans une langue compréhensible ou pas capable comprendre avec intelligence. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Néanmoins, ce don accordé aux croyants peut être bénéfique pour ceux qui écoutent et utile à l'édification dans les rencontres chrétiennes. Mes amis, on garde pour qui raison yon moun doit parler en langue. Après la venue du Saint-Esprit, et Jésus-Christ te promet ça, nous gagnons pour nous parler en d'autres langues. C'est ça Jésus-Christ te promet avant même yo te recevoir cet esprit dans Marc chapitre 16 verset 17. Mais quand y a nous parler en langue là vinn cause un problème dans l'église. On pas connait sou remarquer ça. Tout monde prend parler en langue. Et c'est des autres ça qui te gagné dans l'église Corinthe qui fait Paul te écrit lettre ça à l'église Corinthe là pour capable mettre un petit l'ordre dans bagaille yo parce que tu gagne un problème, tu gagne un désordre qui t'a fait. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 à 10, Paul a parlé. Parce que moun yo yo pa konnen vraiment comment pou yo te utiliser don sa que bon Dieu te mette nan yo a qui c'est Saint-Esprit a pour yo prendre parler en d'autres langues. Yo pense que yo capable parler en langue n'importe qui lè yo vle pendant que gon lè pour parler en langue. Et c'est ça Paul pral di, don sa qui accordé aux croyants peut être bénéfique pour ceux qui écoutent et utile à l'édification dans les rencontres chrétiennes. Maintenant Paul pral essayer faire chrétien yo comprendre objectif parler en langue là. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 à 10, Paul dit comme ça: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de mystères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre pour parler par la foi, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles,
à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. C'est là que nous voulons arriver. À un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. C'est-à-dire, on a regardé qui ça Paul voulait dire. Paul a avancé toujours pour le faire comprendre que le don du parler en langue fait partie de nombreux dons que Dieu a donnés aux croyants pour aider à édifier le corps de Christ qui est l'assemblée, ou bien qui est son assemblée, l'Église. Maintenant, parler en langue, il est venu dans l'objectif pour édifier. Qui est-ce qui peut édifier? C'est nous-mêmes. Lorsque parler en langue, on édifie tête. Et ceci, c'est un signe tout pour les gens qui ne croient pas. Mais pour nous-mêmes qui déjà croient, parler en langue n'est pas un signe pour nous. C'est ça que fait Paul te encourager Mounio chercher don de prophétie à Pito. Au lieu de nous chercher courir, tout le monde a cherché parler en langue, mais il dit chercher don pour nous capables de bailler un message qui sortit dans bon Dieu à Pito. Parce que là, là où bailler un message qui sortit dans bon Dieu, tout le monde édifié. Au lieu que l'on parle en d'autres langues. Parce que l'on parle en d'autres langues, personne ne pas connaît, soit à dire si toutefois pas un monde qui a traduit pour vous. Paul Bral dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Parler en langue, lié de nous, mes bien-aimés, exprimer ce qui est dans l'esprit, nous, que nous ne sommes pas capables d'exprimer dans le langage ou bien en mots. C'est là. Dans un combat courrier, le Seigneur a changé le langage, il fait prier en langue, il fait parler en langue, il fait faire pile déclaration en d'autres langues. Ça veut dire combat trop pour mot pas vocabulaire parole pas suffit et bien bon Dieu fait parler en d'autres langues. Paul Libral dit clairement que la meilleure façon d'édifier l'assemblée est de parler de façon prophétique, c'est-à-dire avec des mots compréhensibles qui fortifient la foi et la compréhension de ceux qui entendent le message. Paul Libral dit je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Paul explique que nous, dans l'assemblée, parler en langue, nous supposons maîtriser ça. Je ne veux dire que nous faisons tout un véritable désordre. Nous avons automatiquement remis le micro pour le diriger. Il y a un son quantique qui sortent de là. Tout le monde commence à prendre, parler en d'autres langues, dirigeant parle en langue, peuple parle en langue, et ceci, par contre, ça y est, on a dit. Et ceci, pas de monde qui a interprété. Eh bien, Paul dit ça, c'est un désordre que lié. Si vous regardez dans 1 Corinthiens 14, lorsque Paul a parlé dans la version créole, il dit il faut qu'il y ait l'ordre dans l'église. Il dit si il y a un monde qui a parlé en d'autres langues, il nous réunit, il faut qu'il y ait un monde qui a traduit. Et il ne peut pas plus que 2 ou bien 3. Il faut qu'il y ait un monde qui a traduit. Ça que moun ka parler en d'autres langues a dit ya. Il dit si pa gen moun ki pou traduit, c'est pour moun nan reziel fè silence. M'pa konnen est-ce que moun yo s'étendé ou pas tendé ou bien est-ce que c'est comprendre ou pas comprendre ou bien est-ce que c'est esprit ou fait qui fait journée aujourd'hui ya. M'kon tande gen moun ki dit nous pral prier en langue pendant que le parler en langue c'est une manifestation du Saint-Esprit. Ou pa konnen ki lè bon Dieu a changé langue. C'est pour langue que ou apprendre. Parler en langue, ça, c'est pour une langue qu'on apprend tant qu'en anglais, tant qu'en espagnol, tant qu'en latin. Mais c'est le Saint-Esprit qui met l'en haut comme un don. Et ceci, ou parler l'est sa mérité. Mais on pas fait le tourner, il y a une véritable tradition. Automatiquement, on prend micro et pour commencer à parler en langue. Les ça, c'est un désordre que lié, on vient habitué avec, mais pourtant, pas bon. Parler en langue peut aussi profiter à tout le monde dans un rassemblement chrétien s'il est interprété dans la langue commune. Alors c'est ça Paul t'a dit, si toutefois grand monde cap interpréter, pas de problème. Mais si toutefois pas grand monde, silence. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26 27. Paul dit que faire donc frère? Lorsque vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parle, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Nous devons bien comprendre ça. Il dit chacun à son tour, c'est-à-dire, il n'est pas supposé faire en même temps. Si je parle en d'autres langues, ou même tout pas capable de parler en d'autres langues, même les avem, il faut que tant moins fini. Et puis, moun kap interprété ça me dit après ça ou même pour prendre.
automatiquement li a fait m'a parlé en d'autres langues ou même m'a parlé en d'autres langues sont des ordres que lié dans l'église là li pas un problème si toutefois ou réunis nous réunis pour un service spécial côté que tout le monde a consacré la vie à Dieu pendant que on a consacré la vie à Dieu qui pas de rapport avec assemblée a. Et ceci c'est pour un message qu'on va porter pour l'assemblée. Bon Dieu qu'a utilisé pour l'édifier ou pour parler en d'autres langues. Ça on va prier avec intelligence. Alors on va prier en esprit. C'est pas avec intelligence on va prier. Paul décrit ça bien dans 1 Corinthiens chapitre 12 là. Donc d'arrêter nous bien comprendre mes bien-aimés question parler en langue là pour nous essayer maîtriser pour nous pas causer trop désordre dans l'assemblée nous parce que les monde qui pas croyo de nous et ceci ou pas comprendre c'est vrai y a dit son signe parce que c'est un signe pour les païens. Paul dit ça oui dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 21-22 il dit il y a encore une raison pour laquelle le don du parler en langue a été donné. Première raison c'est pour édifier nous, pour édifier l'église, alors pour édifier l'église là de manière individuelle. Deuxième raison c'est pour capable faire l'autre monde qui pas croyant connaît que bon Dieu vivant païen. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 21-22, il dit c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que j'ai parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas même ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants mais pour les non-croyants. Vous avez bien comprendre, parler en langue là n'est pas un signe pour moi-même qui c'est croyant, n'est pas un signe pour vous-même qui c'est croyant, mais c'est pour monde qui beaucoup croyant, c'est un signe. Qui ça qui signe pour moi-même qui suis croyant, c'est prophétie. La prophétie, au contraire, c'est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. De cette façon, mes bien-aimés, cela peut bénéficier à ceux qui assistent à une réunion, mais qui n'ont pas encore livré leur vie à Jésus-Christ. Ça a encouragé. Je n'aime pas comprendre ce qu'a fait là. Je sens que c'est un bagage qu'a fait là qui dépasse. Je suis venu pour me goûter tout. Ça, c'est pour les gens qui ne croient pas. Mais moi-même qui crois, je ne peux pas tolérer. M'a digéré ou nous réunir là mes amis ou prend parler en d'autres langues ou gaspiller service là pendant que c'est tête ou à édifier. Non, Paul dit il pipe l'état pipito nous chercher donc qui sorti dans bon Dieu pour nous capable bail message qui sorti dans bon Dieu. Maintenant, il y a plusieurs événements dans le livre des Actes des Apôtres au cours desquels les personnes qui étaient baptisées du Saint-Esprit parlaient en langue au même moment. Cela se manifesta de la façon plus spectaculaire au jour de la Pentecôte, quand le baptême du Saint-Esprit fut donné pour la première fois. Mais cela eut lieu aussi à d'autres occasions. Si nous regardons dans Actes chapitre 1er, Actes 19, verset 5 à 7, pourtant il n'est écrit nulle part que le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue se produisent toujours ensemble. Donc, ça arrivait vraiment, et si vous regardez dans Actes chapitre 19, verset 5 et verset 7, vous pouvez voir une manifestation qui t'a faite. Mais ça 5 à 7, côté que et lorsque Mounio te fin recevoir baptême, maintenant après Paul fin imposer main sur yo, Saint-Esprit a descendu sur yo et yo commencé parler en d'autres langues et yo t'a prophétisé. Yo était environ 12. C'est pour montrer que ça était un signe qui était yo t'ai voyé by moun qui t'a suivi yo moun qui pas de croire mais c'est pas pendant que yo t'ai rassemblé, c'est pas pendant l'église a t'ai rassemblé bagaille a t'ai fait. D'arrêter nous bien comprendre. Maintenant qui est qui capable recevoir don ça, don pour parler en langue? Est-ce que tout le monde capable parler en d'autres langues? Bon partage un petit révélation avec nous qui sont témoignages pour me faire nous connaître que c'est pas tout le monde nous tente capable parler en d'autres langues qui rempli du Saint-Esprit. Me songe on l'aime dormi, moi même dans l'assemblée, côté que l'assemblée a un serviteur qui sous chair, serviteur apprend à parler en d'autres langues. Il prend à parler en d'autres langues. Mais bon Dieu va le montrer nous que c'est pas lui-même qui a parlé. Et même côté a nous une force qui vient, il pousser serviteur à sous chair et comme si son vent qui allait avec lui beauté, le connait les vent beauté en sachant en papier, c'est comme ça nous vent beauté. Et puis après force a une beauté et puis nous on l'autre force qu'on y a là qui vient établir sous chair et puis il dit je suis loup-garou comme ça moi dans révélation et puis même côté à me réveiller et puis le Seigneur a dit c'est pas tout le monde entend qu'à parler en d'autres langues pour penser que c'est l'esprit de Dieu qui travaille qui esprit loup-garou et me témoin me penser que ou même tout ou qu'à témoin de mauvais esprit qui parle en d'autres langues. Ah faut nous prudents.
c'est pour nous prudents. C'est ça que fait Jacques, lui dit nous, un Jean, excusez-moi, un Jean dit nous, c'est pour nous éprouver esprit, ou pas mettre confiance, ou pas croire dans tout esprit, c'est pour nous éprouver, pour nous connaître qui est-ce qui sortit dans bon Dieu. Parce qu'il y a un pile qui pas sortit dans bon Dieu. Mes amis, li important. Paul, est-ce que c'est Paul? Oui, c'est Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 à 30. Paul dit comme ça, et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Peut-être ça les fait me comprendre. Ou même, si vous pas parler en d'autres langues, ou pas besoin de tête tout problème pour dire que vous pas chrétien pour ça, pour dire que vous pas l'esprit bon Dieu pour ça. Gen moun ki kon sa, me sonje, gòlè m'ap assisté, alors m'ap participé nan veille de nuit avec mon serviteur. Li wè tout moun a parlé en langue. Nan le serviteur a dit Gloria. Nan li même li envie parler en d'autres langues. Li cherche un mot espagnol pour boire sa langue li. Des fois que moun ka brasser langue, c'est juste ouais moun a parlé de langue, yo envie parler tout. Li pa empêché, ça pa veut dire ou pas serviteur bon Dieu si toutefois pas parler en d'autres langues. Li l'a toujours bon si toutefois ou recevoir toucher ça. Parce que son don que lié. Parce que bon Dieu pa baye tout moun tout don. Gen moun ki recevoir plusieurs dons, mais gen moun bon Dieu baye un don très spécifique. Donc c'est pour nous chercher connait ça qui pi conséquent pour nous mettre en application. Donc, nous voyons ici que seuls quelques-uns reçoivent le don de parler en langue. De la même manière que seuls quelques-uns sont appelés à être des apôtres. Ce n'est pas tout le monde bon Dieu pour apôtre. Ce n'est pas tout le monde bon Dieu qui est évangéliste. Ce n'est pas tout le monde bon Dieu qui est prophète. Ce n'est pas tout le monde bon Dieu qui est pasteur. Donc, chaque monde bon Dieu pour un don bien particulier. Donc, cherchez qu'on est pour qui don bon Dieu relève. Comme tous les dons de l'esprit, le don du parler en langue n'est pas nécessairement un signe de maturité spirituelle, excusez-moi. Il y a des gens qui pensent que les a parlé en langue en plus ça veut dire fort. Je veux dire parler en langue pas un signe que vous avez maturité spirituelle. Vous entendez? C'est pas parler ou plaider pour parler en langue qui montrer que vous fort ou bien ou mature ou bien ou sont expérimentés ou sont matons dans l'évangile. C'est pas parler en langue là. Mais ça qui pour montrer que vous maturité spirituelle, c'est l'orgueil humilité, c'est l'orgueil charité, c'est l'orgueil l'amour, c'est l'orgueil maîtriser tête. C'est là où capable comprendre le bien du mal. C'est l'orgueil maturité spirituelle. Beaucoup de Corinthiens parlaient en langue. Pourtant, Paul les qualifiait d'enfants spirituels. Ça veut dire Timoun qui besoin l'aide toujours, parce qu'on pas capable bailler go manger. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1er. Côté que Paul dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ça veut dire, Paul a parlé avec Timoun, il faut qu'on ait maturité, il faut qu'on ait maturité, malgré qu'on parle en d'autres langues. Parler en langue, c'est bon vraiment, c'est aider à édifier tête. C'est un signe pour païen, mais pas un signe pour nous-mêmes qui croient déjà. Parler en langue, c'est pour nous connaître comment pour nous faire, les nous réunir. Nous pas supposer en même temps nous tout à parler. Ça a causé cacophonie, on dit causer désordre. Mais à nous tout chercher connait qui ça cap pi bon cap édifier l'église mondiale nous réunir. Parce que trop désordre a fait dans question parler en langue là. Ou a participer dans service, puis faut service ça fait en parler en langue, ou pas comprendre rien. On monde dit la prier ensemble avoir, c'est en langue li parler. Bon qui l'est pour connait pour dire amen. Non, on nous fait bagaille dans l'ordre, on nous pas quitter gros et connaissance que nous gagnons fait nous mettez-nous de côté la parole de Dieu. Parole bon Dieu, c'est boussole nous qui pour faire nous connaître comment pour nous vivre, comment pour nous fonctionner. Merci de ce que tu prends patience pour te garder nous. Merci de ce que tu as aidé nous partager. Vidéo ça, nous certains que qui a utile en pile monde. Merci en pile parce que qui ton like pour nous. Merci pour commentaire. Vous aussi une question, n'a répondre. Nous aimons en pile. Merci de ce que abonné avec nous. C'était avec vous, évangéliste Evenel Furet. N'a pas contre avec vous, prochaine fois. Pour une autre vidéo. Bye. Bon Dieu bénisse.